Comme chaque année, j'aurais souhaité que nous nous retrouvions dans la salle des Forges de Pirène avec un concert de l'école de musique et puis nous aurions partagé un pot parce que ces moments de convivialité sont importants. La crise sanitaire, évidemment, nous l'interdit. Cette année 2020 aurait été éprouvante. Éprouvante notamment, évidemment, pour les agents de l'agglo-foivarie que vous êtes, tant dans nos vies publiques que dans nos vies privées. Pour autant, ces vœux pour 2021, je souhaite qu'ils soient sous le signe de l'optimisme et de la solidarité. Solidarité, elle s'est exercée à travers le plan de relance et de soutien mis en place par l'agglo-foivarie sous l'ancienne mandature par le président Sicre. Solidarité au travers de la mobilisation qui a été forte des agents au plus fort de la crise et solidarité notamment à travers les agents qui ont épaulé les personnes âgées qui sont accueillies dans la résidence autonomie au plus fort de la crise et qui continuent évidemment de le faire dans un contexte particulier. Optimisme bien sûr, parce que le vaccin est là et que dans la nation de Pasteur, ce sera la solution pour sortir de cette épidémie mondiale. Optimisme parce que je sais pouvoir compter sur la mobilisation des agents. Vous l'avez montré pendant la crise, vous le montriez lorsque j'étais vice-président en charge du personnel, et comme président, je le mesure d'autant plus. Optimisme parce que notre projet de territoire est en cours de rédaction, de finalisation, j'allais dire. Tous sont à la tâche, notamment les agents, à travers des commissions dédiées, c'est ce que vous aviez souhaité dans le cadre de l'étude sur la qualité de vie au travail. Au nom du Conseil communautaire de l'agglo-foivarie, je vous souhaite à vous, à vos proches, une excellente année 2021, optimiste et solidaire.